Faire entrer les arts à l'école, c'est possible et ça fonctionne plutôt très bien. Chaque année, plus de 50 000 collégiens s'initient aux arts de la musique, de la danse, du théâtre ou encore du cinéma via le dispositif Grandir avec la culture porté et financé par le département de Loire-Atlantique. Aujourd'hui, c'est jour de restitution musicale pour les élèves de 3e du collège de Chantenay à Nantes. Après quelques ateliers de percussion corporelle et d'onomatopée vocale avec le groupe Ndiaz, ils présentent leur travail sur scène devant d'autres élèves. Je trouve que c'est très important pour les élèves d'avoir des projets avec des rencontres de musiciens de différents horizons. Et je pense que les élèves, sur le moment, peut-être au départ, ils ont du mal à rentrer dans le projet, il faut le reconnaître pour certains. Mais je pense que le fait d'avoir des rencontres aussi passionnantes et aussi enrichissante, voilà, dans des univers différents, ça leur apporte beaucoup et peut-être certains feront de la musique plus tard et auront toutes ces ressources en eux. À la baguette des ateliers, les musiciens de Ndiaz se sont prêtés au jeu de la transmission de leur savoir-faire, mais aussi de leur expérience de la musique traditionnelle de Bretagne ou d'ailleurs. On est dans une démarche de transmission, donc ça nous permet d'aller à la rencontre de jeunes gens qui n'écoutent pas forcément ces musiques-là et leur faire découvrir des choses et surtout aussi travailler le rythme avec eux. Une découverte artistique qui a séduit les collégiens participants. C'était vraiment pas mal, ça mélangeait un peu toutes les cultures, tous les pays. On a vu qu'il y avait l'Inde, l'Afrique, le Brésil et il y avait la Bretagne aussi. On a appris à faire des rythmes avec notre corps, à chanter un peu et tout ça. Je trouve ça assez sympa, ça change. Donc j'étais assez branché pour me mettre un peu à la musique, genre saxophone ou cornemuse. Et avec l'intervention du groupe, ça m'a donné encore plus envie.